Et rebonjour tout le monde, me revoici pour un petit stream sur Genshin Impact. Du coup, ce que je vais faire, tout simplement, accomplir mes quêtes journalières. Pour aujourd'hui, je vais farmer un petit peu quelques objets, quelques items, histoire de faire monter un peu mes personnages. Il y a des chances qu'on ait chance du débutant qui nous rejoigne à peu près vers 17h. Voilà, et du fun, voilà, tout simplement, s'éclater, s'amuser, se balader, voilà, faire ce que j'aime bien faire en général, même si c'est errer à rien faire sur une map gigantesque, pourquoi pas. Alors, je vais démarrer le jeu. C'est parti. Hop là. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Genshin Impact, c'est en fait un jeu, c'est un peu c'est un RPG en fait qui reprend, on va dire, les grandes bases de Zelda Breath of the Wild sur la Switch. Les mécaniques sont un petit peu les mêmes, les graphismes sont très ressemblants. On est vraiment sur un jeu qui est quasi similaire, mais qui a la chance d'être totalement différent en même temps. Voilà, on n'est pas exactement sur le même point. Sur le même jeu, c'est vraiment là, de ce côté-là, ils ont vraiment bien fait, les créateurs, ils ont vraiment bien fait le travail là-dessus. C'est qu'on est sur un jeu qui est totalement différent tout en étant vraiment bien similaire. Donc, nous voici sur Genshin Impact. Donc là, nous sommes dans la cité de Mondstadt. Alors, pour commencer, je vais déjà aller chercher la quête qui se trouve au nord de la cité de Mondstadt, niveau de l'église. Il va falloir que j'aille chercher de la vie aussi, parce que je viens de remarquer que mon perso n'en avait plus. Il me reste plus grand-chose. Alors, serait-ce à l'intérieur? Oui, c'est à l'intérieur. Rudolf. Voilà, du coup, les quêtes journalières, on en a 4 en fait disponibles chaque jour. Donc, tous les jours, il suffit juste de se connecter une demi-heure, une heure pour jouer, histoire de pouvoir les faire. Il n'y a pas besoin non plus de devoir passer 4 heures d'affilée sur le jeu, c'est pas vraiment nécessaire. C'est ça qui est bien. La plupart des quêtes journalières se font quand même assez rapidement. Il y en a certaines, on les voit même pas passer, en fait, on les commence à peine qu'elles sont déjà terminées. Alors, où est-ce qu'il m'emmène? Juste en bas. On va y aller en planant. Je pourrais me téléporter à la petite statuette, le petit point de téléportation, mais bon. Je suis pas pressé. Je suis là pour le fun. Je fais ça zen. Et puis ça permettra à ceux qui me regardent, ou qui me regarderont plus tard, de découvrir ou de redécouvrir, pour ceux qui connaissent déjà, un petit peu les paysages. Qu'est-ce qu'il fait dans la fontaine? Il prend un bain de pied. Alors, on va pas le déranger plus que ça. Alors, vous vendez des cadeaux. C'est un petit peu Noël en ce moment. Alors, bien sûr. Enfin, c'est pas en ce moment, mais ça arrive beaucoup, bien vite là.
que vous cherchez à offrir quelque chose à quelqu'un, c'est pour quelque chose. Allez, on balance. Et bah forcément, il faut être clair et précis si on veut trouver un cadeau adéquat. Il devrait faire parfaitement l'affaire. Mais oui, allez. On va faire le bâtard, on va lui acheter son cadeau. Un guerre poli. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on va retourner là-haut. Alors les escaliers, ça n'existe pas. Moi je sais pas ce que c'est que les escaliers. Moi je prends les murs. Non, ce n'est pas un escalier qu'on vient de voir au bout. Non, ce ne sont pas des escaliers, ça non plus. Oh, qu'est-ce que je suis lent dans les escaliers. J'ai pas vérifié si ça passait. Si ça a passé. Hop là. Moi aussi je fais un bain de pied. Voilà, maintenant je suis trempé, c'est malin ça. Donc du coup pour ma petite équipe, moi je joue pas mal avec ces quatre persos là, avec du coup voyageur, voyageuse, Klee, Mona et Keking. C'est les principaux personnages avec qui je joue. Le voyageur tout simplement bah, parce que bon, c'est le perso de base et que je trouve quand même pas mal, il est stylé, il a l'avantage de pouvoir changer de capacité, pouvoir changer d'élément en fonction de la zone où on se trouve. Je pense que dans les mises à jour à venir avec les nouvelles maps, on aura la possibilité de changer d'éléments autres que Anemo et Géo. Si mes souvenirs sont bons, la map qui viendra à l'avenir, c'est la map Cryo. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner les capacités Cryo sur le voyageur. Ça pourrait être intéressant. Après, bah Klee, tout simplement. Bah, elle a l'avantage de faire apparaître les items particuliers sur la map. Et en même temps, elle balance des bombes partout. Et balancer des bombes partout, c'est cool. Voilà, donc elle explose, elle fait. Elle pète facilement les armures. Parce que bon, des bombes, ça fait mal. Et en même temps, elle brûle à chaque auto. Donc c'est très pratique. Mona, elle est très avantageuse au niveau des déplacements. Elle, c'est quelqu'un de très mobile. En plus, quand elle se déplace en courant, elle court pas vraiment en fait. Elle se transforme en flaque d'eau. Je vais vous montrer tout simplement. Elle se transforme en flaque d'eau et non, ça c'est Klee. Donc ouais, Klee avec les fameuses bombes. Voilà, elle balance des bombes partout. C'est génial. Et Mona, en fait, paf, voilà. Elle se déplace comme ça, super rapidement. C'est très pratique parce que d'une, c'est rapide. Deux, ben, ça la rend super mobile. Et en plus, ça lui permet d'être un peu plus discrète. Et quand un ennemi est à proximité et qu'il est en phase attaque et que du coup on se fait focus, elle libère un truc dans ce genre-là sur sa trajectoire automatiquement. Ce qui fait que l'ennemi va dessus et il nous laisse un peu tranquille. C'est assez pratique, surtout si on n'a pas le temps ou qu'on veut pas spécialement fight. Et puis en dernier, bah Keking, parce que bah, elle fait très très gros dégâts. Elle est stylée quoi, et puis voilà, des capacités qui sont pas non plus négligeables. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait déjà ma première mission journalière, je vais aller sur la deuxième. C'est assez rapide, hein. C'est pas des quêtes non plus comme dans les MMORPG où il y en a quelques-unes. Voilà, il faut prendre le temps de les faire. Ballon dirigeable. Ouais, laisse-moi marcher. Merci. D'accord, donc c'est pas moi qui est ciblé, c'est logique.
C'est lui là-haut que j'aurais dû aller chercher en premier, mais je peux pas grimper comme ça. Ah putain, je peux pas y aller, je peux pas y aller. Mona, je vais avoir besoin de toi. Allez, focus-moi, voilà, laisse le ballon tranquille. Voilà. Donc là déjà ça c'est fait. Ok. Donc le dirigeable lui me pousse complètement, il en a rien à faire que je sois là. Où est-ce qu'il va? Pas où est parti mon dirigeable. Ah si, il est là, ok. J'étais complètement à côté. Oh là là, oh les tornades. Bon, c'est pas grave, on va rejoindre le dirigeable, sinon ça va être perdu. Hop, on va la régène. Ouais. C'est fini là? Non, c'est pas fini. Ouais, c'est un truc. Merci pour la vie. Donc... Qu'est-ce qu'il me dit? À gauche ou à droite? Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? On est qu'à gauche, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de trucs. On va dire... Allez, à droite. Ça se trouve en fait à droite le chemin est peut-être plus long mais il sera peut-être plus simple, je sais pas, j'ai pris un truc au pif. Voilà, comme ça, moi ça me permet en plus d'utiliser ma capacité pour régénérer sur les ennemis. J'ai mis trop tard. Voilà, donc ça, hop, en restant le plus loin possible, et c'est là-haut qu'on doit aller. On va préparer le terrain. Même si les trucs ils spawnent au fur et à mesure que ça avance. Déjà ça. Voilà. Ouais, voilà, de toute façon, il avance. Et apparemment, c'est ici qu'il s'arrête. À 25 secondes de la fin, c'est pas mal. Alors, je pense que je serais venu par là si j'ai choisi gauche. Et je sais pas. Je pense que j'aurais rencontré autant de monde. Ouais, en fait, voilà. J'aurais juste rencontré ceux que j'ai vus tout à l'heure directement en face de moi. Donc, en fait, ça aurait pas changé grand-chose. Alors, ensuite. On va se téléporter ici. Et on va aller faire la suite.
Alors, un truc intéressant, un point d'observation. Alors ça c'est pas mal, c'est ils ont ajouté ça il y a une semaine ou deux. Je dirais peut-être juste deux ou trois. Ça permet dans le, je sais plus si dans le guide, je sais plus où c'est exactement, quelque part. Archive. Voilà, je suis pas l'occasion d'y aller souvent. Et je crois que c'est au niveau de la géographie. Voilà, à chaque fois qu'on trouve un point, en fait, on débloque une image qui correspond au point sur lequel on se situe. Voilà, je trouve que les illustrations elles sont quand même pas mal, c'est assez bien fait, l'image est jolie. Ah, puis on a des endroits qui sont quand même magnifiques, quoi, les décors. On peut pas le nier, c'est assez joli. Donc, nous allons aller faire notre troisième quête journalière. Ça va être un camp de Rocolumus, voilà, à éclater. On va y aller, on va taper celui-là et les enflammer dans la foulée. Voilà, comme ça, lui là, il perd son bouclier. En même temps, je me régène. Voilà, comme ça, je me régène en même temps. Ah, mince, il est toujours vivant. Bon, on va ramasser les trucs. Voilà, il y a une pomme. Aïe. Tiens, viens, 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 viens par là. Aha. Mince, j'ai éteint le feu. Tant pis, hein. Voilà, moi je le rallume. Ça c'est fait et plus qu'un et il est là-bas. Oh yes, des minerais, ça c'est génial. Alors pour ceux qui connaissent, hein, voilà, ceux-là les. Le minerai bleu clair là, vous allez peut-être reconnaître la forme de ce minerai. Voilà, si vous avez déjà regardé Sword Art Online, tout simplement. C'est une déjection de dragon. Bon, dans ce jeu, je sais pas si c'est le cas, mais. Voilà, le minerai, il lui ressemble vraiment énormément. Moi, dès que je l'ai vu, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. C'est exactement ça. Hop, est-ce que j'ai tout ramassé? Ça en a tout l'air. Qu'est-ce que je fais? Je les éclate, je les laisse tranquilles. Bon, allez. On va les exploser. Voilà, comme ça c'est fait. Tiens, toi, est-ce que ton bouclier peut reprendre un nouveau feu? Voilà, hop, on va se régénérer. Toi, par contre, tu me... Waouh! Toi, par contre, tu me gonfles avec ta flotte. Voilà. Bon, je ramasserai les items plus tard. Et non! Hop, je vais attendre juste que ma capacité se recharge, parce que j'aimerais le tuer avec. Hop. Voilà, comme ça, j'ai le bonus de guérison à la fin. Qu'est-ce qu'on a là? Du blé. Bon, les deux là-bas, ils ont de la chance, je les laisse tranquilles.
Alors. On approche gentiment. Qu'est-ce que ça va être comme quête? Faut détruire les deux structures qui sont juste là. Bon, en soi, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de les péter. Bon, déjà, hop, on les écarte. Qu'est-ce qu'il fait, mon perso? Il y a un champignon quelque part qui a sauté. Ah, le voilà. Donc voilà, hop, et je vais me régénérer sur celui-là au pire, c'est pas trop grave. Voilà. Oh, les renforts vont arriver, j'aurais dû détruire ça avant. Lui là il m'emmerde avec la flotte parce que du coup je peux pas brûler le bouclier. Voilà, là maintenant je peux. Voilà, son bouclier prend naturellement feu puisque c'est un bouclier en bois. Aïe, je me suis pas assez écarté. Et voilà, et pendant ce temps-là, lui il est là en train de méditer à côté, tranquille, il se rend même pas compte qu'il y a un fight juste à côté de lui. Voilà. Ouais, voilà, il est là, il est tranquille, peinard, il fait sa vie, moi je fais la mienne, je pète les monstres. Donc les quêtes journalières c'est terminé. Alors maintenant ce que je vais faire tout simplement, je vais retourner voir, je vais aller voir la guilde pour récupérer mes récompenses. Parce qu'une fois qu'on a terminé du coup les 4 quêtes journalières, on a des récompenses à récupérer à la guilde. Donc c'est pas négligeable parce que c'est ce qui nous permet quand même de pas mal avancer dans l'expérience d'aventure. Pour monter le niveau d'aventure, voilà plus 500, c'est pas rien. Et puis quelques items quand même assez intéressants, des primogemmes, des moras, l'expérience d'affinité. Bon, ça c'est plus pour débloquer tout ce qui est les voix et les histoires des personnages. Ensuite, ici pareil, les bonus de connexion, les bonus de quêtes journalières terminées, les quêtes quotidiennes. Obtenir 10 minerais et puis consommer de la résine originelle, donc ça ce sera à faire, je vais le faire plus tard. Moi ce que je vois c'est qu'apparemment j'ai une quête d'histoire. Une quête d'histoire. Oh, chromancie. Alors si je dis pas de bêtises, c'est la quête de Mona que j'ai activée hier. Donc on va aller la faire. Voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais juste répondre à un message. Alors, bon, elle était pas très loin. Suis venu par les airs, moi.
J'aime bien les petites cinématiques de ce jeu, elles sont vraiment pas mal. Alors, des fois elles sont un petit peu abusées, mais là, c'est vraiment pas mal, c'est assez bien fait. Mona! Oh! Oh, je t'ai reconnu, c'est toi! Un Mondstadt, mais on en vient de Mondstadt, t'aurais pas pu genre nous. T'aurais pas pu genre nous rejoindre là-bas? J'avoue. Ah, s'il y a un gardien dans ce cas-là. Ouais, tiens, moi je vais lui demander parce que je suis ton disciple maintenant. C'est nouveau ça. Ah, ok. Oui, maître. Maîtresse, pardon. Bah, si je peux avoir le contenu du coffre, ouais, ça pourrait peut-être m'intéresser. Ouais. De toute façon, j'ai l'impression que dans ce jeu, qu'on réponde au-dessus, en dessous, au milieu, à droite, à gauche, le type de réponse semble toujours un peu le même. Ça veut dire un peu la même chose, et puis ça donne sur les mêmes textes derrière. Dans certains cas, peut-être que ça doit modifier légèrement la réponse du personnage avec qui on communique, mais dans d'autres cas, je pense que ça n'interfère pas du tout avec avec le scénario. Ah, qu'est-ce qu'elle cause? Et c'est aussi pour ça que je joue beaucoup avec le voyageur, c'est parce que bah quand je laisse le jeu. Je pose la manette pendant quelques secondes, au bout d'un moment les personnages se mettent à parler. Et au bout d'un moment, c'est pas. Voilà, les entendre dire tout le temps la même chose, au bout d'un moment. Enfin, vous m'avez compris quoi. Monsieur Zou. Ah, tu m'étonnes. Bah, vu par où on est passé, non, je pense pas qu'on ait trouvé quoi que ce soit de ce genre. Ah,
先生術なら、どんなもんだいでも解決できると思っていたら、先生術師はいずれ星空に見捨てられてしまいます。結果、未来を導く力を失い、二度と名も見通せなくなります。だから、この心情を曲げることは決してできません。 すごい能力を持っていて、金儲けに使わないなんて、もったいないな。協力してくれたらお礼に2万モラを用意していたんですが。2万ですか？いえ、何でもありませんよ。ただ、こうも簡単に2万モラが手に入るなんて、指輪を拾った人はラッキーだなと思っただけです。 Comment retourner sa veste? Un petit peu de sous et hop. Ouais. On y croit. Elle veut les 20 000 moras. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Elle pense qu'à bouffer. Donc voilà, là on est sur le genre de quête qui dure quand même un certain temps. C'est assez long. En général, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Puis il y a beaucoup de scénarios aussi. Les scénarios, ça allonge pas mal. Mais c'est toujours intéressant. Alors, poser la pas élémentaire. Ils vont apparaître comme ça? Mais apparemment, oui. Oh, il y en a d'autres. Bah tiens Mona, tu veux participer un peu hein. Déjà hop, un en moins. Lui on le calme. C'est pas lui que je veux. Hop! Oh, il y en a encore! On va se mettre un peu plus en hauteur avec Klee, c'est quand même plus pratique. Voilà! Si c'est une bague qu'on a trouvée, oui, forcément, ça doit être la bague. Ça se trouve, il nous propose 20 000 moras, mais la bague, elle en vaut peut-être beaucoup plus que ça. Parce que pour qu'il propose une telle somme... Ou alors, à la fin, il va nous dire, ouais, non, finalement...
Voyons voir. Comme si, genre, elle avait l'air de douter. Vous l'avez trouvé? Bah non. Non, non. On a juste pété du blob. La 253e bague. Il a proposé un contrat de 20 000 moras pour la 253e bague qu'il possède de sa mère. Non mais c'est une blague. Je réponds quoi? Bouche bée et bouche bée long. Ah, bouche bée long, c'est pas mal. Ah, d'accord. Voilà, donc elle va ramasser tous les mérites. Ou allez, non. Certes. Oh, elle m'a demandé de jouer le jeu, c'est bon. Alors, juste pour rappeler un peu le contexte, Mona, elle roule pas sur l'or. Hein. Elle a une petite animation où on la voit sortir son porte-monnaie. Et puis elle fait tout simplement un mouvement comme ça, genre pour voir ce qui va en sortir. Et là, elle a un tout petit Mora. Mais par contre, il brille. Je pense qu'elle le lustre, elle en prend super soin. Mais elle en a qu'un seul, elle est là. Puis elle est tellement déçue. Elle est tellement déprimée. Elle est tellement en déj de thunes. Donc je pense pas qu'elle doit beaucoup manger non plus. Ah voilà, donc là normalement il était censé nous dire qu'elle avait pas un rond sur elle et que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas mangé. Et c'est nous qui allons payer pour ça, non? Ok. Alors, voyons voir où ça nous emmène. Ça nous emmène. Ah oui, juste ici. Ok. Ah, j'y suis allé plusieurs fois dans le petit restaurant pour faire quelques quêtes aussi. Pour aider le cuistot. Donc, à quel endroit on est censé aller? Ah, en bas, ok. Et ben, hop! Voilà. Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, merci. Ah, tu m'étonnes. Si t'as pas grand-chose à bouffer, gaspiller, ça va pas être trop. Trop ton truc. Je sens qu'elles vont commander des trucs de bâtard, elles vont lui ruiner son salaire. la crème de fou, le porc aux pousses de bambou, boulettes de crevettes dorées. Je sais pas trop quoi prendre. Moi, je prendrais bien les boulettes de crevettes dorées.
Après, hormo végétarien, je sais pas trop ce que c'est, le crabe au tofu, ça a l'air pas mal. La soupe de porc aux pousses de bambou, ouais, ça m'a l'air un peu léger. Allez. Des boulettes de crevettes dorées. Bien croustillante, ah bah c'est génial, mais je veux tester ce restaurant. C'est trop cool. Les plus merveilleuses crevettes fourrées dans des pommes de terre. Frites. Attention, hein. Pommes de terre frites. Bien croustillantes. Oh, je kifferais juste goûter une fois ce plat. Ah, en fait, on va peut-être pas avoir le choix. Je vais faire les truites. Il s'agit d'un plat, un mot fait à partir d'ingrédients naturels, aussi bons que de vrais ormeaux. Le crabe au tofu. Associé au crabe. C'est l'une des spécialités de la maison. Ok. La soupe de porc aux pousses de bambou. Enfin, l'habitude des pousses de bambou cuits avec de la viande. Dans une soupe aussi parfumée que délicieuse. Et j'aurais plus à vous arrêter. Ok, on va tout prendre. Voilà, j'en étais sûr. C'était prévisible. Ça fait bien trop. Ah d'accord, c'était juste pour moi. C'était juste... Ah d'accord, c'est juste le voyageur qui va manger. Oh la pauvre. Oh, je suis tellement triste pour elle. Oh la tête qui tient. Mais regardez-moi cette tête. Oh non. Elle est trop déçue. Elle va pas pouvoir manger ce qu'elle voulait. Ah. Et en fait, je suis trop méchant. Enfin, c'est pas moi. Hein. Bah. Non mais c'est logique. La question se pose même pas. Bien sûr qu'elle manque d'argent. Non par contre, je suis désolé, mais pour ce qu'ils vont manger, 20 000. J'ai pas moyen de comparer avec nous de notre côté. 20 000. Ça paraît énorme quand même pour 20 000. Je sais pas, je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Ouais, si, si, ça peut, si, hein, en fonction de la valeur des ingrédients, il y a peut-être moyen. Je me mets tellement à sa place parce que moi je suis un gros dalleux aussi. Je suis du genre à vraiment manger plus que la normale. Et franchement, je me mets à sa place, je me sens pas bien pour elle. Allez, nous on a ce qu'il faut, dans notre inventaire on a plein d'ingrédients et tout, donc... Oh, faut remonter dans la cuisine là-haut, sérieux? Bon, on va se téléporter. Alors... Ah non, on va pas dans la cuisine, bah, il nous emmène où? À qui doit-on parler? Ah, peut-être lui demander la permission d'utiliser la cuisine. Votre cuisine, voilà, exactement.
ったところ、お客さん料理の腕に自信が終わりですね。Bon allez, on va se vanter un petit peu de notre talent. Oh yes, le crabe doré. Ça c'est bon. J'ai jamais mangé, mais je dis c'est bon quand même. Non, moi je suis complètement d'accord. Allez, on apprend un nouveau plat. Allez. Ouais, ça par contre, cette réponse-là, la deuxième, là, c'est aussi pour elle. Elle voit surtout ça. Elle pourra en manger plus tard. Bon bah, très bien. Alors au niveau des recettes, je sais que j'en ai pas mal. Faudrait que je regarde. Est-ce que c'est ici les recettes? Je sais plus où elles sont les recettes. Je ne sais plus. Ah, elles sont là. Hop! Voilà. What? Pourquoi il nous fait retourner en bas? Je croyais qu'on devait utiliser la cuisine. Donner un crabe doré normal délicieux. Ah, mais c'est que j'en ai déjà? Sérieux? Crabe. Est-ce que vous voyez un crabe quelque part? Je suis aveugle. Je vois pas de crabe de crabe doré. Ah si là. Ah. C'est quoi? C'est que je l'ai déjà fait ou je les ai eu en cadeau? Ah bon, bah j'en ai déjà. Ok. Allez, tiens, mange. Fais-toi plaisir. Mais non, mais tu peux pas refuser, t'es en train de crever de faim. Allez, mange, moi je serai à ta place. Enfin voilà, je vois les trucs qui sont déjà servis sur la table, moi j'aurais déjà mangé. Alors c'est un plat que t'as mangé depuis bien longtemps, le meilleur plat. Si ça fait un moment que t'as pas mangé, ouais, je veux bien te croire. J'ai pas besoin d'avoir les compliments d'un maître. On fait éviter de la brusquer hein, sur sa faim, sur son ventre rempli. Ça a l'air d'être un complexe. Mais nous, on n'a rien mangé. On s'est fait arnaquer. On n'a rien mangé. En fait, ouais, c'est ça. Elle a tout bouffé. J'ai pas souvenir d'avoir vu que les plats étaient là quand on était à table. Tiens, hop, une quête de monde. Pardon, je suis pas sûr de comprendre. Pas poète. Oula. Je vais vous faire part. Je voudrais que vous fassiez une faveur. Laquelle? Je suis détendu.
Non, non, je vais me détendre mieux que ça. Hop, je vais pousser le bordel qui est là. Hop. Voilà, nickel. Là, je suis bien. C'était dit, comment le faites d'habitude en venant me voir pour me faire voir des choses qui vont attirer votre attention pendant votre promenade. Oui, si tu veux. Très bien. Donc moi, je suis censé... Ah, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Oh non, on va gagner du temps. Alors... La porte de pierre. Et est-ce que ça va nous permettre de déverrouiller cette fameuse porte avec le sceau hydro dans la cité de Mondstadt? Comme c'est les quêtes de Mona et que Mona c'est un personnage de type hydro. C'est peut-être même l'endroit où se trouve le coffre dont elle a parlé. Après, le gardien du coffre. Non, je pense pas que ce soit dans la cité de Mondstadt, ce serait trop gros quand même. Soれはあなたが先生術に幻想を抱きすぎてるから。いや、君たちもここで休憩かい?あ、誰だ?ああ、私たち兄弟は商人だ。リーウェイで商売を終えて 今からモンドに帰るところなんだよ。君たち疲れてるみたいだし、私たちが予約した馬車がもうすぐ来るから、一緒にどうだい? Si je pose cette question, je pense que ça va intéresser Mona. Si je la pense pas, il y a peut-être moyen que Mona la pose elle-même. On verra bien. J'avais un petit doute quand même, mais si vraiment. では、あなたたちが身につけているものの中から強盗データものを言い当てましょうか。不服なら被害者を呼んできて確認すれば一発でわかることです。もし私が間違えていたら、お詫びに2万モラあげます。 Je m'y attendais un petit peu, mais bon. Oh, on va devoir fight. Ah, oh, c'est malin. Ouais, dans les deux cas, c'est pareil. Hop! Oh, en v'là d'autres! Aïe! Aïe! C'est douloureux! Non, on m'aurait pas comme ça! Oh
Voilà, eau électrique, ça fait. Ça marche bien, ça. Bah, je t'ai pas vu beaucoup combattre, hein. Je t'ai pas beaucoup utilisé, hein. Tu me servais pas à grand chose, il y avait déjà la pluie pour mouiller. Mais oui, on va te faire plaisir, on va te faire plaisir. Allez. C'est vrai que du coup, être astromancien, ça a l'air d'être vachement pas mal, hein. On peut découvrir des trucs assez intéressants. この世の運命と真あなたたちに関することはすべて曖昧でこの私でも正確に見抜くことができませんBah non, j'ai rien dit. ですから Putain, elle aura pu nous en向こうapprendre の継承plus. 者と会うことで両者の知識が合わさればあなたの運命もはっきりと見えるようになるかもしれませんFou, allez. いずれにせよあなたにとってはメリットしかない旅ですさて、十分休めましたし、このままモンドまで休まず行きますよ。馬車があったらよかったのに。Mais on peut se téléporter, c'est 一人でbon. ないって言ったのはそっちでしょ。Non, puis en plus, c'est pas comme si elle marchait, quoi. Et paf! Elle disparaît. Et qui c'est qui va se taper tout le trajet? C'est moi. Heureusement qu'on peut se téléporter dans le jeu, c'est vraiment bien. Avoir de poulet. Je sais, ce sont pas des poulets, mais ça donne des poulets. Alors ça marche. それなら、で、ダメです。弟子のふりといえども、何も知らないわけにはいきま、部外者に教えてはいけないという決まりがありますが、あなただったら別に問題ないですよね。私の先生術は水裏の術。その名の通り、水面に映る星空を観察することで行います。手本を見せるので、よく見ていてください。Vas-y, je suis prêt. 現在の星座と動きを見るに、例の継承者はセピロス騎士団の人で、若く流暢な女性。Ouais, c'est ce que je me disais, ouais. Lisa. Oh, j'aurais pu voir, moi. Bah ouais. Il manque plus que Kicking et j'ai mon équipe qui est au complète là. Dans un scénario, c'est pas censé arriver, ce genre de truc. Et non, c'est pas Lisa, c'est Klee ça. の海の秘密を知り尽くした先生術師とはズバリこの私星の海星の海って何そこには魚がいるの oui, les poissons dans le ciel, ça vole les poissons. Les poissons, poissons いやvolants. いやとぼけないでくださいまさか私との勝負が怖いんじゃないですよねお姉ちゃんこそ一体何を言ってるのクレイわからないよ私の先生術が外れるなんてことありません、そうだよあお姉ちゃんママのお友達なんだねええ知ってます
先生術の結果ですから。でも彼女がここを立つ前、神秘学知識よくわからないけど、クレイのお母さんがモナの師匠の友人兼そうです。師匠は先生術が得意でしたが、それ以外は空っきしでした。